Éternel Dieu des armées, merci pour ces moments. Nous sommes dans ta présence. Parle-nous, dispose tout un chacun de nous. Père, domine. Père, sois le maître de ces moments. Sois le père de ce moment, Père. Agis, guéris, manifeste-toi puissamment au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons les rois des rois. Écoutez, nous sommes dimanche de célébration. Est-ce que tu peux faire un mouvement de saluer deux ou trois personnes? Fais-les, ça sera du bien. Avec un peu de sourire. Avec un sourire là. Je t'aime beaucoup. Yébisaye, je t'aime. Tu parles bien. Loba moi maquillage la tongue et salinga bien. Obemi kito komankasi. Loba ndongo beti moi coiffure wana na yoki bien. Ya jeti de. Est-ce que ça salango te pona nini? Ah. Sala yango bien. Sala yango bien. Loba ngai lokwe se bien. Sourire ta la soa zo beto kara pesa embote. Sala yango bien. Sala yango bien. Pasteur Junior. Sota zo beto kara yo pesa e kambote. Pesa ya bourgeoise mbote. Ozo moi sourire sanga te. Toza na armée te. Toza ata na kan kokolo to mona be ba soda ba se kaka. Pesa mbote ne sengo. Soka so beto kara. Yo pesa ye. Ningi sela ye mwa misuko. Yo bimi sela ye msai. Pongo la mwa noko. Ay, 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 ay. Yesu. Pongo nde zalaka. Salango mwa bien. Salango lisusu. Seka lisusu. Salango lisusu. Ay, 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 ay. Yesu. Eske sengwe zali. Amen. Bete la Yesu mololo. Bisika ba na nzambe basali fwe sengwe zala. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, si deux ou trois sont réunis, à mon nom, je suis au milieu de vous. Alléluia. Amen. Et là, si Dieu est là, lorsque les gens sont réunis, à son nom. Alléluia. Amen. Et là, si bisika oba toba sangani, oyo bazo lobe la kombo nzambe te azane na kati te. Et c'est moto moko zo kanga. Amen. Pepa 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 pepa, sois dans la joie mon frère. Zala ne sengonde ko ba lipe moi. Sois dans la joie. Zala ne sengonde moto moko te alongolo sengon ko la pesio na tomo. Moto moko ta petit soko beta ta mo lolo. O sali na oli sumute soko beti mo. Tango sala pe ma beta mo lolo. Tango sana pema beta mwa mololo. Beta na yo ya ya beta mololo wana banto bazana. Na morgue mololo beta makate. Na morgue bazoluka ba beta bazoku. Bien aimé na morgue mololo zo beta mate. Zo beta mate papa. Alléluia. Amen. Dimanche passé après vous ici. Lomingo eleki ici manabino awa. J'étais accompagné par évangéliste roi évangéliste Anderson avec la sœur bourgeoise. Na tambola ki na mosali na nzambe papa roi pe mosali na nzambe ya mwasi de ko bourgeoise kamanda. A barré pour aller prêcher l'évangile. Kuna na barré mosika po na kote ya sango malamu na nzambe. Au moment où j'ai prêché, na tambo na zala ki kote. J'ai fini la prédication. Na sili si mateya. Les frères qui étaient à mes côtés. Nde ko mobali o azala ki pene na ngai. C'est lui qui commençait à me donner la nouvelle. Yenda banda ki kope sangai sango yango. De la mort de notre frère Emmanuel Farmalola. Ya kufa ndo ko na biso mobali o ayemba ki Farmalola. Moi je venais de descendre. Donc je, après la prédication, je me mets. C'est là où on me parlait. Pasteur, est-ce que vous savez que Emmanuel vient de nous quitter? Papa, moi aussi je me suis connecté. J'ai réellement vu qu'il était mort. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, cette vie que vous voyez. Ça nous réserve beaucoup de surprises. Et le frère, il paraît, il partait pour l'évangile, pour aller prêcher la parole. Et selon la source, mais selon il était sur la moto.
Il y a une yas qui l'avait jeté de l'eau. Et l'homme de Dieu qui partait pour aller prêcher l'évangile a commencé à discuter avec les gens. Et il traversa pour aller chercher la police pour l'intervention. De son retour, il a même pas respiré. Regarde comment les diables nous tentent. Regarde comment les diables créent des histoires impossibles pour ôter la vie des enfants de Dieu. Alors nous qui sommes dans la vie, nous qui parlons, nous qui respirons, si nous pouvons prendre une minute pour acclamer les rois des rois, acclame les rois des rois. Beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta na yo maboko, beta maboko, zola kisa, gratitude na yo na oya pesi yo. Acclame, beta na yo maboko. Je suis en train de déclarer ce matin que la mort brusque n'arrive pas dans ta vie. Amen. Natatoli kufa ya mbarakata ekukota tena bomo. Je suis en train de déclarer que la mort brusque n'arrive pas dans ta vie. Kufa ya mbarakata ekukota tena bomo. Et si je parle à une personne, je dis que la mort brusque n'arrive pas dans ta vie. Que les échecs brusques n'arrivent pas dans ta vie. Que la pauvreté brusque n'arrive pas dans ta vie. Oh, que les accidents n'arrivent pas dans ta vie. Et si je parle à une personne, je dis que la mort brusque ne t'atteint pas. Que Dieu te protège. Que Dieu te donne la vie. Que Dieu te donne la vie. Vis longtemps pour la gloire de Dieu. Vis longtemps pour la gloire de Dieu. Oh, je parle à une personne. Je dis vis longtemps. Dieu a de bons projets pour toi. Que Dieu te donne la vie. 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 Que la mort brisque ne t'attend pas. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Liwa yambalakata yezoyote. Amen. Maladie yambalakata yezoyote. Amen. Likambo ya moto mosusu ya kolata vie na yote. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Cetra. Amen. Acclamons les rois des rois. Demi maboko pour mon conservateur. Moi, je suis béni par les enseignements de la semaine. Chaque semaine, je suis surpris par les enseignements. Chaque mercredi, il y a des enseignements terribles qui se passent. Et chaque vendredi également. Je suis béni. Pour, surtout pour les serviteurs de Cetra. Que Dieu bénisse tous les serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour les serviteurs? Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Acclamons le roi des rois. Acclamons le tout-puissant. Betamololo et Bonginaye. Alléluia. Amen. Que cela n'arrive pas. C'est ça notre thème. Que la maladie n'arrive pas. Les humiliations n'arrivent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Yoga. L'arche, Sanduku, qui était le synonyme, oui, la kisaki, de la gloire de Dieu. Ya kembo na nzambe. Que les enfants d'Israël s'appuyaient sur ça. Cela représente notre vie.
Parce que la Bible dit, l'arche là était toujours placée dans les lieux très saints. Et nous aussi, notre corps que vous voyez, c'est un lieu saint. Le cœur là, c'est là où le Seigneur habite. Parce que le Dieu n'est pas sur des montagnes. Le Dieu n'est pas le Dieu des genoux. Le Dieu n'est pas le Dieu des sacrifices. Le jour où Dieu va revenir, Jésus va revenir. Il va nous demander le cœur. Il ne sera pas dans des montagnes. Le Dieu est le Dieu des cœurs. Sanctifie ton cœur ce matin. Sanctifie ta vie ce matin. Pour que l'arche reste là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par l'infidélité. La fidélité. La Bible dit. L'arche de l'Éternel était confisquée par les Philistins. Et la personne qui est venue annoncer la nouvelle de l'arche à Élie. Parce que Élie avait des fils. Il avait Ophni et Phinèse. Et lorsque on avait confisqué l'arche, la Bible dit après la confiscation de cette arche, ces deux fils étaient rendus l'âme. Et l'homme qui est venu annoncer la nouvelle à Élie, il dit au moment où je vous parle, l'arche est confisquée. L'arche qui était le synonyme de la gloire de Dieu. L'arche qui était le synonyme de la force d'Israël. L'arche qui était le synonyme des sacrificateurs. L'arche est confisquée. Lâchez parti. Lâchez confisqué. La Bible dit, Élie était là assis sur sa chaise. Il tomba la nuit contre terre. Et Élie a rendu l'âme à cause de l'arche. Alléluia. Amen. Écoutez, Yoka, à tout moment, dans ta vie, des fois, il y a des histoires incroyables qui se présentent. C'est peut-être à cause de l'arche. C'est à cause de ton cœur que le diable a confisqué. À cause de ton corps que le diable a commencé à manipuler. C'est ça qu'on appelle l'arche. Parce que l'arche a tué beaucoup de gens. À cause de l'infidélité. Et cette fois-là, même Élie a rendu l'âme à cause de cette nouvelle. Celui qui était juge est parti à cause de l'arche qui a été confisquée par les Philistins. Balance bien, balance bien. Balance bien, Et la Bible éclaircit quelque part. Parmi les deux fils d'Élie, le second, il avait laissé sa femme qui était enceinte. Et la Bible dit, le jour où elle a entendu la nouvelle de son beau-père et de son mari et le frère de son mari, la Bible dit, la douleur d'accoucher l'a attrapé. Est-ce que je parle à une personne? Amen. La douleur à cause de l'annonce. Il y a beaucoup d'informations qui nous tuent. Il y a beaucoup d'annonces qui nous rendent malades.